Chez nous, devant, voilà. Ok, donc moi je ne peux commencer, comme on appelle toute chose, sans invoquer mes ancêtres. C'est tout simplement. On appelle un liquide, voilà, plus comme vous voulez, ça peut être la boisson, ça peut être de l'eau, ça peut être la sucrerie, ça peut être du vin. Voilà, tout le liquide, on peut pas invoquer les ancêtres. Donc je demande ici à tout un chacun, voilà, voilà, mets le temps, merci, merci, c'est simple, merci. Faut te m'envoyer. Sur cette terre, c'est normal qu'il nous donne des injections. C'est lui aussi qui a créé le mal.
Okay? C'est lui qui a créé le mal dans le sens où on ne peut pas lui enlever cette autorité-là. Il a mis tout dans ce monde pour nous éprouver aussi. Mais dans sa miséricorde, il nous envoie des messagers. Et ça depuis la nuit des temps. Justement, ça peut être qu'on soit dans 10 ans, 20 ans en train de parler comme Mouraoro. Et aussi les Kémites, que justement, il nous envoie des messagers. Parce qu'un homme qui n'est pas éduqué est comme un animal dans la nature. Et on sait très bien dans quel monde on vit. Vous voyez ce qui arrive avec les pays qui sont en train de se débarrasser des religions. Nous nous rendons compte que la morale est en baisse dans ces pays. L'homosexualité, la dépravation. Plein de choses qui sont en train de revenir justement. Parce que les gens ont décidé qu'ils vont prendre leur décision, réfléchir par eux-mêmes. Ils ne vont pas réfléchir selon les ordres de Dieu. Donc un enfant qui peut marcher seul, qui estime qu'il a assez grand pour réfléchir sur qui n'écoute pas les conseils de ses parents, on sait très bien comment il finit. Voilà. Donc nous disons que celui qui nous a créé, c'est à lui que nous devons demander des comptes. Et non aux humains qui sont morts et qui espèrent le repos. Nos ancêtres ont vécu de leur temps, de leur contexte. Okay? Mais nos ancêtres sont morts et ils attendent le jugement. Nous aussi, nous serons bientôt, on va les rejoindre. Donc on n'a pas besoin de les déranger avec des incantations ou des libations. On demande directement des comptes à celui qui nous a créé, qui est le créateur. Et quand on lui demande des comptes, il nous répond à travers ses livres, à travers sa révélation. C'est pourquoi nous avons nos livres, c'est pourquoi nous écoutons ce qui est écrit dans nous. Nous avons une préoccupation, nous interrogeons nos livres et nos livres nous répondent. C'est pourquoi il y a eu besoin de conserver justement tout le message. Donc en fonction des circonstances, il y a des positions à adopter et c'est ce que nous faisons. Voilà. Nous ne nous appelons pas à nous cloîtrer avec des gens qui ont décidé et qui attendent leur jugement comme nous aussi bientôt, nous le ferons. Donc nos ancêtres, en tout cas nous, on les respecte, on ne les juge pas, mais on les laisse se reposer parce qu'ils ont besoin de se reposer pour leur temps. Et nous aussi, Inch'Allah, nous les résoudrons. Et voilà, donc on n'a pas besoin de faire tout ce que tu t'en sacres directement au créateur. Inch'Allah. Okay. Voilà, vraiment merci beaucoup à la reine, très belle intervention. Voilà, oui, pas vous, la parole te revient, c'est quand tu es prêt, 5 minutes. Bon, chers dames, oui, vous savez, je veux qu'on fasse 10 minutes, parce que si elle est nulle, oui, non, elle est assez que moi, parce que si elle a pas 10 minutes, elle pas 10 minutes. Je disais au début, tu vois, 10 minutes, si elle a tellement d'argument, je vois que 10 minutes, c'est mieux. Voilà, pas 10 minutes, c'est d'accord, mais soit on va 5 minutes. Dame, alors aussi, 20 minutes, n'a pas le temps que tu veux. Non, 10 minutes, c'est bon, 10 minutes, au moins, c'est bon. Donc, elle aussi, je prends 10 minutes. D'accord, ouais, je prends. Bon, la dernière phrase qu'elle a dit, qu'on respecte, nos anciens, ceux qui sont morts, on ne les juge pas. Franchement, ça a plus, c'est chaud comme ça, pas. Plein d'une comme elle nous mentit de façon. Sans choquer, vraiment, ce panel-là. Mais je crois que le père de Mohamed est allé sur l'enfer. Je crois que Amina, la mère du prophète Mohamed est allé sur l'enfer. Seulement qu'elle a élevé également, qu'elle a éduqué selon l'éducation polythéiste jusqu'à l'âge. Et 40 ans avant qu'il lui soit la libération est en enfer. Donc c'est-à-dire que les morts, vous ne les respectez pas. Celui-là, même par qui Mohamed a eu la vie est en enfer. C'est Allah qui a mis le père de Mohamed en enfer, c'est grave. Donc il ne dit plus jamais que toi, vous respectez les morts. Et puis, un musulman, il est tenu de faire les évocations aux ancêtres qui sont morts musulmans. Et non aux ancêtres qui sont morts polythéistes, puisque le prophète est allé sur lui. Et il est l'exemple parfait que vous suivez. Son père, sa mère, soit l'enfer. Ça se fait pour que tu me clarifies ça. Et que tu as dit ce que tu as menti. Tu ne respectes pas tes ancêtres. Ce par qui ce Dieu-là a donné la vie et qui a permis à ton père et à ta mère de se venir au monde. Parce que la paix des générations, tu ne respectes pas. Parce que le prophète a son nom et le prophète est celui et tu ne permets pas. Parce que lui-même ne m'a pas permis. J'ai même dit que tu as dit ça, c'est que tu as dit ça. Est-ce que tu as dit ça? Voilà, maintenant, tu as dit captif. Avant de me parler, définir les captifs. C'est clair et c'est chaud. En final, viens pour encore la parole de Dieu. Moi, je crois bien que quand Dieu parle à ses enfants, ça doit être des paroles qui sont vraiment d'amour, agréable à entendre et à voir. Puisque la parole d'Allah, elle va prendre tout le temps et pour lui. Moi, je veux que les gens puissent comprendre la situation de ce que nous sommes en train de vivre. Le Coran, ta parole, elle est frappe aujourd'hui. Est-ce que c'est pour les régimes par la charia, les captifs là? Sinon, et comment on appelle le panique? Non, parce que c'est le musulman en guerre, et qui va les captifs, qui est à vous, c'est le Coran. Mais qu'est-ce que le Coran dit aujourd'hui les captifs? Nous sommes régimes par la charia. Donc l'esclavage va devenir en islam, puisque le prophète même parle des esclaves. Marie à la porte, comme je l'ai dit, je mets au défi quiconque m'écoute, et je la mets au défi, de me donner une seule source, phare, que le prophète peut s'agir à Marie, Marie à la porte. Elle est de le faire, en cadeau, avec un âme, avec Doudou, en cadeau par le roi du shit, le prophète n'a pas dit, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. C'est pas possible. Je respecte la mémoire du prophète Jésus. Mais que lui, on lui permet que la soie tente-toi fait ses 5 ans. C'est-à-dire qu'on licite, non seulement les épouses à qui il avait la droite, et les esclaves qui poussaient, mais c'est choqué sa blanc. Comment on peut passer? Comment on appelle ce prophète? Mon grand-père, lui, il est meilleur exemple que lui. Ça, c'est moi. Et c'est un cache moi. Et c'est mon grand-père. Mon grand-père n'a pas eu l'esclave. Il y a la chose de prête. Bon, on va l'issue d'aller voir. Que rapidement, vous pouvez voir que c'est choqué sa blanc. Voilà, vous êtes là, ce soir, le temps va partir. Voilà. Vous allez voir, la soie tente-toi fait 52. Dis-moi, il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres ou de changer de pouce en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par la beauté de femme. Donc voilà un prophète. Père Salut, je dis à qui en fait descend un verset exclusivement pour lui, pour lui dire qu'il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres ou de changer de pouce en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par la beauté féminine. Quand c'est-à-dire à ce moment-là, à juger même du fait de ces versets pour arrêter les pulsions du prophète Père Salut, je dis parce que c'est un homme très dangereux qui a fait un verset pour lui. On interdit de prendre d'autres femmes et tes esclaves. Pourquoi? Parce que Marie à la porte a été arrivée dans la vue, vraiment cette beauté époustouflante. Ce verset est déjà descendu. Donc il ne peut pas manier les attites, comme on appelle Tassie, expliquer clairement par contre une Tassie, Adalane, une base. Donc moi je vais être capable de retourner, non pas elle sa version, mais la version des savants et des chevaux. Ça c'est la première fois, on va aller plus loin. Quand elle va, ça va plus, c'est pas grave. Chef Aouzan, écoute bien, Chef Aouzan, il dit toujours l'un des plus grands chevaux. Voilà ce qu'il dit, vous pouvez écouter cette lettre. Il dit, l'esclavage fait partie de l'islam. Ceux qui disent que l'esclavage a été aboli sont des ignorants et non des savants. Ce ne sont que des simples écrivains. Celui qui dit de telles choses est un infidèle. Chef Aouzan, membre du conseil des chercheurs, il a confirmé ça en 2003 pour te vérifier. Et j'ai une vidéo où il confirme lui-même l'esclavage de l'islam. Parce que moi, je mets au point la marée pour te vérifier. Quelle est une source où le prophète a interdit l'esclavage? Parce que c'est chaud avec sa peur. Écoutez, tentez l'oreille. Tentez bien l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeté dans tout le monde avec interdit le porc. Il n'a rien fait. Tout peut être les salles. Aujourd'hui, il n'y a pas de plus porc que même un homme. Parce qu'aujourd'hui, la porc est élevée dans les enclos bien choyés, bien climatisés, bien nourris, tellement même. Parce que à ce moment-là, lui, il ne savait pas que dans la vie, les êtres humains allaient élever le porc dans les conditions de
Dieu. Bon, mais tu vois, important de dédier l'esclavage donc à homme, l'asservissement donc à homme. Et vous nous présentez ce courant comme la parole de Dieu. C'est choquant, c'est grave en fait. Donc, c'est vrai que vous dites jamais. Le monde est régi par le code islamique. Mais l'esclavage va venir. L'esclavage va venir parce qu'à ce moment-là, n'a pas interdit l'esclavage de quoi. Et je le tombe d'une main au défi quiconque l'a sorti inversé. Autant qu'il dit que l'esclavage est interdit. Afin que le sache, mon ancêtre, sont les ancêtres, sont les humains. D'ailleurs, moi, je suis le prophète des humains. Mais est-ce autant? Et moi, j'ai pris le là, j'ai l'exemple du monde. Non, c'est moi qui dis que le prophète Ben Salih est un exemple du monde. Mais dans son exemplarité, la comparaison à sa vie là, est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite vraiment d'être un exemple? Non. Et puis je vous dis, si vous ne savez pas, pourquoi ton nom les ancêtres là? C'est pour le tournoi. Parce que dans ma prière, j'ai mis au défi la reine qui avait la prière de 16h, à la fin de la prière, la kayata, vous faites invocation sur le prophète Ben Salih, sa famille et ses compagnons. C'est quoi? C'est ça. Mais ça, c'est une idolâtrie. Vous savez que vous servez le prophète plus qu'à ce moment-là. Vous savez que les arabes vous poussent à idolâtrer le prophète même, qui est un nom. Comme moi. Est-ce que vous comprenez? Quand je mets au défi cette prière que vous faites à la fin de votre prière, ça, où vous invoquez le prophète Ben Salih, dis-moi ça, vous écoutez. Et puis j'attends, je vais attendre ça là-bas, pour ces soucis-là. Tu vas me dire ça, il va te mettre là-bas, tu vas voir si c'est chaud. Ou Aïcha, mais Aïcha, c'est plein. Attends, j'ai mis ça. Ah, non, j'ai mis ça. Une minute. S'ils sont en enfer ou pas, ok, ça c'est un jugement qui appartient à Dieu. C'est pas nous de décréter là où ils sont, on est là où ils sont censés être. C'est ce que je t'ai dit, mais comme bon, je pense que tu as fait un problème de compréhension, donc tu as compris autrement. Maintenant, tu me parles du père du prophète et tout, comme je l'ai déjà dit, le jugement appartient à Allah et c'est déjà clair. Maintenant, tu me parles du fait que le plus Allah ne peut pas dire des choses, le créateur ne peut pas dire des choses, le créateur ne peut pas faire des choses. Ok, il n'y a pas de souci, mais le mal, qui a créé le mal? Tu vas me dire que Dieu ne peut pas créer le mal, on va me dire que non, Dieu ne peut pas laisser les gens mourir. Non, ça c'est des paroles qui frisent l'athéisme parce que cette manière de penser là vous a été inculquée lorsque vous avez commencé à écouter des gens qui sont plutôt dans l'occidentalisation. Ok, depuis la nuit de temps, Dieu a toujours interagi avec les êtres humains. Et ça, on a les traces partout. Je sais pas si Wendy.
Non, ne viens pas te jouer, taper ta poitrine comme si tu aimes trop les ancêtres et tout. Tu as dit que nous, on prie sur le prophète. Oui, on prie sur lui. On ne prie pas pour lui, mais on prie sur lui, oui. Mais il n'est pas interdit aussi d'invoquer notre Créateur pour avoir la miséricorde envers nos pères qui nous ont précédés. Ce n'est pas du tout interdit. Ok. Tu es venu encore avec le sujet de Marie à la Côte. Ce sujet-là, Marie à la Côte, c'est ton sujet préféré apparemment. Hein? Parce qu'à chaque fois que tu nous la reçois, tu nous parles de Faouzan et tout. Nous te disons que nous ne sommes pas esclaves des Arabes. Nous avons nos textes qui sont clairs. C'est pas parce que quelqu'un a dit ça quelque part là-bas que tu as pris sur un site islamophobe. Hier, j'ai prouvé deux fois que toutes tes sources sont tirées des sites islamophobes. Donc, nous n'avons rien à faire, en tout cas. Donc, que tu le cites ou pas, nous ne sommes pas des esclaves, des Arabes. Et qu'est-ce qui est dit dans le Coran? Dans le Coran, on nous dit de libérer des esclaves. Et les esclaves, quand on parle, quand tu dis que l'esclavage va revenir, il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. On mentionne des gens qui sont dans une situation bien précise, mais on dit quelle est l'attitude à tenir en face de ces personnes. Et qui sont ces personnes? Ce sont des captifs de guerre. Ok? Quand tu me parles de Maria Lacob, tu me dis, montre-moi une source. C'est à toi de montrer d'abord la source. Hein? La source. Je veux des hadiths sahih ou bien des textes coraniques. Ne me prends pas un verset et tu vas dire que c'est ça qui parle de Maria la Copte. Non. Parce que s'il s'agissait de Maria la Copte, clairement, on l'aurait mentionné dans le texte. Donc, les suppositions ou bien des choses que tu ramasses ça et là ne m'intéressent pas ici. C'est pourquoi j'ai dit que si on va aller dans les sources, on n'a qu'à être rigoureux. Tu ne vas pas me sortir une vidéo et tu vas me dire que c'est ta source. Donc, c'est à toi de venir me prouver ici. Parce que concernant Maria, je me suis très renseigné sur le sujet. Et il y a très, très peu de sources à son sujet qui la mentionnent en réalité. Donc, le fait de parler de Douldoulo, Daldalo, tout ce que tu veux, c'est à toi d'apporter l'authenticité dans les textes. Dans les textes. Nous ne sommes pas des gens qui suivent bêtement des chèques ou bien des gens qui vont dire des choses. On a nos textes. Effectivement, si on a des doutes, on a le droit de consulter ceux qui ont la connaissance. Mais on ne doit pas aussi gober tout ce qu'on nous dit parce qu'on est soi-disant, ils sont soi-disant des cheikhs ou soi-disant des musulmans. Ok. Maintenant, que dit le Coran sur les captifs? Ma malakat aimam nukum. C'est traduisible par captif, mais sachez que c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous faire la différence. Quand on parle du sujet de l'esclavage, c'est assez sensible. Ici, on te parle des captifs. Et les captifs sont faits en temps de guerre. Ça dit que quand il n'y a pas de guerre, on ne parle pas de captivité. Donc, Ouedraogo, pendant que tes ancêtres méritants en Afrique, ici, parce qu'on va faire un comparatif, hein, on va faire un comparatif pour voir à quel point l'islam c'est un cadeau pour nous. Pendant que tes ancêtres, certains de tes ancêtres faisaient des sacrifices humains avec leurs captifs, pendant que tes ancêtres faisaient des esclaves sexuels, parce que oui, ça existait ici en Afrique, et j'ai la preuve, tout à l'heure, quand je vais prendre la parole, je vais sortir toute la documentation dessus. Pendant que eux ils faisaient ça là, on nous disait dans le Coran d'épouser ces personnes là ou de les libérer. Ok? Maintenant, si tu veux dire que pour faire le mariage, pour épouser selon toi, si c'est de mettre la bâche, mettre les tam-tams, envoyer la colère et tout, selon toi, dans ta législation, c'est ça le mariage, alors tu devras aller te plaindre auprès de tes ancêtres. Parce que en Égypte antique, on constate que on n'a pas besoin de la dot. Quand on va dans une famille, hein, quand deux personnes veulent se marier, ils se mettent ensemble et c'est ça le mariage. C'est ce qu'on appelait le mariage dans l'Antiquité. Voilà ce qu'on appelait le mariage. J'ai les sources ici, si tu veux, tout à l'heure, je te montre ça. Donc, ils n'avaient pas besoin de dot, de faire des cérémonies. Non. En Égypte, quand tu vois une personne que tu aimes, une fois que vous aménagez ensemble, c'est le mariage. Donc, tu vas venir nous dire ici que toi, tu as des leçons à donner au prophète. Tu vas essayer de remettre en cause l'intégrité du prophète, sachant très bien que ce qu'il faisait, les mariages qu'il faisait en majorité étaient des mariages d'ordre social. S'il avait la possibilité de coucher avec n'importe quel esclave, cite-moi tous les esclaves avec lesquels ils ont couché. Ne cite pas Maria la Copte seul. Hein. Tu vas venir me numérer toutes les esclaves. Parce que s'il était ce que vous dites là, normalement, si c'est moi, j'ai la possibilité de coucher avec n'importe quel esclave, bah, je me serais donné à cœur joie, hein. Et toi, mais tu l'aurais fait. Tu vois.
Mais le prophète, tu ne cites que Maria la Copte. Et même Maria la Copte, tu n'as pas assez de sources. Tu n'as que Fauzan, tu n'as que je ne sais qui, je ne sais. C'est lui qui ne nous intéresse pas ici. Donc tu ne vas pas venir faire la leçon de morale pendant que tu invoques tes ancêtres qui faisaient même pire ici, qui n'avaient aucune morale. Quand tu prends dans le Nouvel Empire Ramsès II et Ramsès III, qu'est-ce qu'il faisait? Le gars avait plus de 200 concubines. 200 concubines. Donc toi, tu vas venir parler d'une seule que tu estimes être la concubine et tu estimes que le prophète, il n'est pas apte à être un homme d'honneur parce qu'il a pris une seule. Même si, disons que, acceptons que ce que tu dis est vrai. Maria la Copte était esclave en Égypte. Ok, elle était esclave en Égypte. Elle a été offerte au prophète. Donc tu vas nous montrer le texte qui te dit ici, qui nous dit que effectivement elle n'a pas été épousée. Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de source concrète sur elle. Il y a d'autres même qui disent que qui remettent en cause l'histoire de Maria la Copte. Donc tu vas pas venir me faire sortir ça ici à chaque fois, parce que là tu deviens ridicule. Depuis hier tu as la même chose ici là. Donc ça ne nous avance à rien. Ok. Maintenant, tu as parlé de l'interdiction de l'esclavage. Ok, on va aller dans ce sens. Je vais te répondre, mais à ton tour de me répondre aussi. L'esclavage était un besoin, bon, je ne dirais pas un besoin, mais une condition sociale. Ok, mais qu'est-ce que l'islam va faire? L'islam va inciter les gens à libérer les esclaves, à leur donner des droits. Donc, pendant que toi, tes ancêtres décapitaient les esclaves ici-là, les sacrifiaient pour leurs fétiches, en même temps, Dieu disait de les libérer, de leur donner des droits. S'ils te demandent des contrats d'affranchissement, libère-les. Maintenant, à toi maintenant de me dire, parce que j'ai le livre des morts ici, et j'ai la preuve qu'il y avait bel et bien l'esclavage au temps de l'Égypte. Donc, tout à l'heure, là, je vais te reposer ma question d'hier, et tu vas répondre. Inch'Allah. Ouedraogo, je pense que tu vas prendre 10 minutes encore. Mais s'il te plaît, j'aimerais prochainement, s'il n'y a pas là, faut t'asseoir. C'est une doléance, quoi, si c'est possible. Ton micro est fermé. Le micro. Disais pourquoi je me lève. Si elle a honte de s'afficher, pourquoi quand je moi, elle va prendre la parole, moi, elle va me regarder. Pourquoi? Moi, je l'écoute, je note. Qu'elle s'affiche comme moi, elle a peur de quoi? Elle a ce moment-là, elle a peur de la protéger. C'est une dame. Ouais, elle fait ça m'a ah, non, c'est pas faux. Non, mais si elle est femme, qu'elle croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle s'affiche. Non. Là, moi. Elle a peur. Elle s'affiche. Merci bien. Donc, faut pas me dire que non, que moi, je dois parler, elle doit m'écouter. Moi, je dis pas parfait ici là. Non. Écoute-moi, c'est pas elle qui a dit, c'est moi qui ai demandé ça. Je sais, mais je profite de ça en même temps pour qu'elle puisse comprendre. C'est là, elle a gros cœur. Elle a qu'à s'afficher. Pourquoi elle se cache? Oui, elle va s'afficher. Moi, chez moi, là, faudrait moi le voir, là, c'est ninja. Mais c'est femme de quelqu'un, il y a quoi? Non, tu m'excuses. Ok. Alors, non, dis, c'est femme de quelqu'un. C'est pas elle, alors. C'est pas elle. Moi, il dit faudrait moi je vois, c'est pas elle. Il dit faudrait moi je vois, c'est ninja. Moi, il appelle sa femme ninja. Mais c'est femme de quelqu'un. Non, c'est pas elle, j'ai pas elle, j'ai invectivé. Ok, c'est pas elle, j'ai invectivé. Moi, j'ai bien la voix aussi. Elle me voit, j'ai bien la voix. Alors, ok, donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Allons-y, s'il te plaît. Merci beaucoup. En fait, ma reine parle pour parler. En fait, elle veut nous conditionner comme de la manière dont le Coran les a conditionnés. C'est-à-dire, en dehors du Coran, ils ne peuvent rien faire. C'est pas ça. Pour nous, c'est pas une religion. Nous ne sommes pas conditionnés. L'Égypte antique, là, c'est une civilisation qui a duré 6000 ans, ma soeur. 6000 ans. Pour vous, c'est 1446 ans. Avec précision chirurgicale. Et puis, d'ailleurs, même si on devait vous suivre, là, on serait en retard. Parce que c'est le calendrier lunaire. Heureusement que nos ancêtres, depuis même la vallée du Nil, là, ils ont calculé le temps avec le calendrier solaire. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas calculer le temps. Parce qu'il a calculé, le temps par le temps du prophète, Père Salut sur lui, dans son temps égyrien, l'Égypte. Et eux, ils ne trouvent, n'ont rien trouvé d'autre qu'à se calquer sur le calendrier lunaire. Et heureusement qu'on n'a pas suivi le calendrier lunaire. Sinon, on sera en retard. Gloire et honneur à mes ancêtres. Maintenant, elle me dit, vraiment, ma reine même quoi. Comment toi tu veux prendre ce que mes ancêtres ont fait pour venir me l'attribuer à moi aujourd'hui, un homme du 21e siècle? Moi, je ne t'ai pas dit que mes ancêtres là, et tous qui m'ont précédé là, sont forcément des exemples. Il y a d'autres qui ont été méchants. Voilà pourquoi même méritant, je préfère ceux qui ont fait du bien et je prends les grâces, mais je ne refuse pas ceux qui ont été dans ma lignée. Voilà pourquoi on parle d'ancêtres. Donc celui qui dit méritant, celui qui dit ancêtre,
Chez nous, il n'y a pas un livre où tu dois dire non, méritant ou bien n'est pas méritant. C'est pas comme chez vous. Chacun de nous, là, il sait qu'on vient de quelque part. Est-ce qu'on peut refuser un enfant même qui a tué? Une mère ne peut jamais refuser cet enfant-là, c'est toujours son enfant. Donc si mes ancêtres, à un moment donné, ont fait du mal, je ne les refuse pas. Je prends mes ancêtres. Parce qu'ils ont eu un rôle à jouer. Ça, c'est un premier point. Toi, tu dis chez vous, Dieu fait tout ce qu'il veut. Tu dis, Dieu fait tout ce qu'il veut. Donc, Dieu a fait exprès. Donc, la venue des prophètes, selon vous, depuis Adam, là, a servi à quoi? Il me pose la question. A servi à quoi? Donc, c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, l'assia qui n'est pas là-bas, lui met un plan en marche. Et puis, il sait qu'il va envoyer les prophètes. Et puis, les hommes ne vont pas changer. Ah! Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne te comprends pas, hein, franchement. Moi, je ne te comprends pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as fait exprès. C'est toi qui as créé le mal. Donc, tu pouvais créer une autre vie où seulement le bien pouvait exister. Donc, vous voyez, quand on a aligné, on a lobotomisé jusqu'à l'os, voilà ce que ça donne. Parce que forcément, on veut défendre une religion bédonique venue du 7e siècle. Parce que le 7e siècle et le 21e siècle ne sont pas pareils. Nous, on dit, Dieu nous a créés, mais il a donné la conscience. C'est comme un réalisateur, il fait son film. Il dit, le brave va tuer le chef bandit. Mais est-ce pour autant que celui qui a fait le film, là, il est mauvais? Non. Voilà Dieu chez nous. Dieu, il a créé son monde. Il a créé son monde. Et il a mis en nous la conscience. Mais c'est à nous maintenant de prendre les bonnes décisions. Nous, on sait que faire le mal n'est pas bon. On n'a pas besoin d'aller à l'église ni à la mosquée. On n'a pas besoin de ça. Donc les 5 prières, là, la prière du dimanche, là, ne sert absolument à rien. Ça ne peut pas faire changer le comportement de quelqu'un. Tant que tu ne te lèves pas pour aller te battre, pour gagner ton pain quotidien. Au dragon lancé, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. C'est ça qu'il s'agit. Donc nous, on vous dit, sortez de votre peur là. Vous dites et vous affirmez avec une certitude absolue, comme si on dirait que vous avez vu l'enfer ou bien le paradis. Moi, je ne comprends pas. C'est vous qui dites qu'il y a l'enfer et le paradis, que nous, sinon, on ne suit pas Allah subhanahu wa ta'ala, on va être brûlé. Nous, on veut que se défendre. Et elle a dit que mes ancêtres faisaient de l'esclavage. Mais je m'en fiche. Mais nous, on sait comment l'esclavage arrivait. Ça arrivait à partir du nord de l'Afrique, en descendant au Mali. Voilà pourquoi dans le mot malinqué, on dit John. Et c'est dans le mot malinqué seulement, John signifie esclavage. Parce que quoi? À un moment donné, Abou Bakari II, qui est Kankan Moussa, s'est converti à l'islam. Donc il est normal quand il lit le Coran, qu'il fasse l'esclavage. Qu'il fasse l'esclavage. Donc c'est vous qui avez mis dans la tête des Africains l'esclavage. Parce que chez nous, dans ma langue nourrie, le mot esclavage n'existe pas. Il n'y a pas son nom dans l'esclavage. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Si c'est seulement un malinqué, il n'y a pas. Ça, c'est un deuxième point. Et puis, je vais te tuer, je vais te terminer avec. Tu vas voir que le prophète paix et salut sur lui, lui que tu prends pour un exemple là. Regarde ce qu'il dit. Dans la lettre authentique. La lettre authentique, hein? C'est authentique. On va lire ensemble. Sunna, prenez bien. Sunna, An, Na, Saï, 39, 59. Moi, pour moi, c'est en arabe, ça soit en anglais. Donc, je n'ai pas fait copier, puis colle, puis fait traduction en français. Je répète. Sunna, An, Na, Saï, 39, 59. Il a fait copier-coller ici. Et puis j'ai retourné ma caméra. Vous allez voir vous tous. Moi, je ne suis pas beaucoup. C'est vous qui dites que c'est un exemple à suivre. On va voir si c'est vraiment un exemple à suivre. On va voir. Traduction anglais-français. J'ai retourné ma caméra. On va lire ensemble. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec laquelle il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Afsha ne le laissaient pas tranquille jusqu'à ce qu'il lui était interdit. Alors Allah le puissant, le sublime, révéla au prophète, pourquoi t'interdis-tu? Donc voilà, voilà. Attends. Donc voilà un prophète qui lui-même avait des esclaves vu que ses femmes se plaignaient. C'est un hadith authentique. C'est pas moi j'ai inventé les hadiths. Moi j'ai pas connu le prophète paix et salut sur lui. Je n'ai pas connu le prophète, mais comment j'ai su? Mais à travers les hadiths authentiques. Donc si elle est vraiment femme, qu'elle demande ça, le problème c'est quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'esclavage? Puisque vous prétendez que c'est lui qui est le Dieu suprême. Moi j'aimerais
J'aurais aimé que ce Dieu qui nous a créé là, que vous prétendez être le début de tout, fasse descendre un verset pour interdire l'esclavage. C'est quand même grave. Ou lui-même, son prophète, il rend licite même jusqu'à ce que ses femmes se plaignent. Et tu as parlé de Marie la Copte. Moi, je te dis, il te lance un défi devant tout le monde. Le prophète là n'a pas marié. Et moi, je vais donner des sources tout à l'heure. Pas une vidéo, hein, parce que hier, il donnait une vidéo. Mais j'avais des sources encore. Je donne des sources authentiques. Et toi-même, tu vas les lire. Et j'aimerais que tu fasses autant. Que le prophète a marié. Que le prophète a marié. Moi, j'aimerais que tu fasses autant. On va donner la source. Vous pensez que vous allez lancer bien sûr un panel comme ça pour venir invectiver les gens. Moi, qui suis-je pour insulter, ou bien pour traiter, ou bien pour parler même, ne serait-ce que ma sale bouche là, sur le prophète, paix soit sur lui. C'est parce que j'ai lu des choses. Vous comprenez, c'est pas moi qui invente. Moi, je respecte. C'est l'ancêtre des Arabes. Moi, je respecte les choix. Mais qu'ils ne viennent pas me dire que mes ancêtres sont en bas du prophète. Je ne veux pas accepter ça. Au grand jamais. Moi, je respecte les choix. Qui le prie, qui l'honore, ça c'est l'engage que eux. Mais quand ils viennent dire que le prophète est au-dessus de moi, mes ancêtres, par rapport au comportement, par rapport à quelqu'un qui n'a jamais péché, mais vous voyez déjà la dite authentique, comment un prophète, si c'est Ouedraogo l'ancêtre qui avait fait cela depuis la nuit des temps, mais c'est grave. Bon, je donne la source rapidement, faut pas, j'ai encore du temps. Cheikh Adam, si tu ne vois pas mon temps, hein, s'il te plaît, je ne vois pas mon temps. Tu as cherché, tu as trouvé. Merci. 1052, ça me suffit largement même pour donner la source. Là. Ouedraogo, voilà. Nous, c'est pas aujourd'hui en débat. Il y a pris des mesures. Et si vous comprenez, on source tout. Voilà, on souche tout. Et quand vous avez vu dans la dite qui est citée là, où Aïcha et Afsha se plaignaient, c'est parce qu'il y avait un verset qui était descendu. Le verset, c'est quoi? C'est ce que j'ai lu là. La sourate 33, verset 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres épouses, d'autres, ou de changer d'épouse en dehors de tes esclaves, même si tu étais attiré par leur beauté. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir, Maria devient la concubine du prophète en l'an 700, l'Égypte, et sa sœur fut mariée à Hassan ibn Tabi, puis un an après, elle donna naissance à Ibrahim. Celle-ci tomba malade et décéda à l'âge de un an. Face à cette épreuve, Maria fut patiente. Est-ce que vous comprenez? Mais sous cela, Vous allez prendre mes sources. Voici mes sources. Attends, je vais retenir la caméra. Je ne prends pas vidéo même. Voilà, source ici. On va aller sous là. Oh, il faut quitter la WhatsApp. Quitte là. Voilà, source. Est-ce que c'est à dire seulement Gaïta, la maison du prophète, épouse et ses filles. Source 2, Hassan Abu Iban, les premières femmes de l'islam, tome 2. Faites capture. 3. Oh. Source, voilà, voici les sources. Faites capture, voici mes sources. Voici mes sources. Voici mes sources. Faites capture. Il y a beaucoup de sources qui affirment ça. Voici ça ici. Faites capture. Et pour terminer, j'ai une vidéo de Cheikh Fawzan qui corrobore encore mes dires. Mais ça, je garde ça. Voilà, quand on va prendre la parole. Moi, je l'ai terminé. Ok, merci. Donc, merci beaucoup à Ouedraogo l'ancêtre pour son développement. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et moi, ce que j'apprécie des deux côtés, c'est que le débat, il est très, très classique. Voilà, il n'y a pas d'injure, voilà, c'est très très bien. C'est ce qu'on demande à tout le monde. Si tout le monde, si vous voulez faire des débats intellectuels, des débats classiques, argument contre argument, il n'y a pas de problème. On peut vous céder le panel. Mais si c'est pour s'insulter et tout là, allez-y ailleurs. Voilà, donc la reine, si vous êtes prête, 2 minutes. Je suis prête. Donc ici, bon, encore des carences et des carences.
si les gens prenaient le temps, hein, le temps d'aller justement fouiller un peu, au lieu de venir parler, parce que tout à l'heure, il a commis une catastrophe mémorable, c'est-à-dire une catastrophe. Il est quitté de l'étage pour tomber. Il a dit quoi? Il a dit que l'esclavage est quitté au nord de l'Afrique pour venir. Ça, c'est intéressant, ça. Je vais allumer ma caméra. On va vérifier ça ensemble. J'espère que tu n'es pas loin, parce qu'il faut que tu lises. Hein. Il faut que tu lises aussi. Il ne faut pas que tu dises que Rennes, elle a fabriqué des choses. Voilà, l'esclavage en Égypte. On va voir. Tu t'en fous du fait que tes ancêtres aient esclavagisé. Tu t'en fous du fait que ce sont tes ancêtres qui ont commencé les hostilités. Ce sont tes ancêtres encore qui sont allés dire que les peuples là, ton peuple, sont des gens qui doivent être soumis à l'autorité du roi. Tout à l'heure, il a dit que, c'est-à-dire que voilà, hein, le créateur, quand vous voyez la croix en qui est derrière lui là, ça fait référence à Amon. Le temps d'Amon, c'est la croix en. C'est les gens qui, c'est les trucs de l'Égypte antique. On va voir ce qui était dit en Égypte. Avant que je vais revenir sur cette affaire de... Bon, depuis là, tu t'accroches à Maria Lacotte parce que tu n'as rien d'autre au fait. Et tu fais pitié. Donc, regarde. Écoutez bien ce que leur créateur disait. Ce que le créateur disait à leur pharaon avant que ce pharaon-là aille assujettir d'autres peuples pour que ces peuples-là leur livrent des tribus. On va voir qui a commencé l'esclavage. Et même le racisme. Tout cela, on va voir l'origine. C'est-à-dire que quand il parle des Arabes, des religions dites révélées, les religions dites révélées n'ont rien créé. Les adeptes de ces religions-là n'ont rien créé. Ils sont venus trouver des systèmes qui étaient établis. Donc, quand tu me parles de 6000 ans d'histoire, et tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu dis que vous êtes en avance dans le calendrier, mais c'est quoi ces balivernes? Donc, tu veux me dire que tu es dans le futur actuellement là? Tu es dans le futur? Tu es où comme ça? Tu es en l'an 2100 et l'an 2200. Donc, parce que tu as dit que vous êtes à 6000 ans, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On est dans la même. Aujourd'hui, le 24 août à 17h23, toi et moi. Donc, le fait que tu es à 6000 ans, tu sois à 6000 ans ou 7000 ans, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est lamentable, au fait. Parce que vous n'avez rien à proposer à l'Afrique, à part des beaux discours de on est à 6000 ans, nos ancêtres, ceci, cela. On va voir, on va essayer de détecter ici. Si les religions sont venues, parce que les religions sont venues trouver qu'il y avait déjà la merde. Et c'était quoi la merde qui était là? La merde que leurs ancêtres ont laissée. Et c'est cet effort-là. Comment quelque chose que je n'ai pas créé, mais je fais l'effort d'atteindre. Le Coran dit, tu peux pas venir me demander ici de te donner la source selon laquelle le Coran a interdit l'esclavage, sachant très bien que tout le système qui a été mis en place dans le Coran était révolutionnaire à son époque, sachant très bien que les captifs de guerre étaient une norme. Donc, tant qu'il y a des guerres, il y a des captifs. Quelqu'un que tu es venu tuer, si tu l'attrapes, tu lui donnes une autre chance. C'est pourquoi dans la sourate 24, verset 33, on te dit, celui qui demande un contrat d'affranchissement, accorde-lui ce contrat, donne-lui ce contrat. Donc, tu vas me faire sortir un texte pour l'époque, hein, parce qu'il n'y a aucun texte de l'époque qui a avancé ou bien qui a donné cette porte de sortie là à ces gens-là qui étaient réduits en captivité. Ok, je vais lire maintenant. Je suis dans Civilisation ou Barbarie, à la page 113. Je ne sais pas à qui tu as fait. Regardez ce qu'ils nous donnent comme source. Regardez, des sources qui n'ont même... Regardez, j'ai fait la capture, regardez. J'ai fait la capture, voilà. Voilà les sources. Voilà les sources qui nous référencent. C'est-à-dire, il allait sur un site, ils ont mis les références, il n'a même pas pris. Quand on te donne référence d'un texte, la moindre des choses, c'est de fouiller si ces références-là sont vraiment... qui vont dans le sens de ce qui est dit dans le texte. Quelque chose que tu n'as pas vérifié, tu allais ramasser dans la poubelle d'Internet et tu viens nous proposer ça ici et tu viens nous dire, voilà les références, vous pouvez prendre. On a pris la capture, mais ça va nous servir à quoi? C'est pas les hadiths. Tout à l'heure, tu as donné un hadith, on ne sait même pas c'est hadith Bukhari, c'est muslim, c'est quoi, on ne sait même pas. Tu dis hadith, gnagnagnagnag, et puis 300, on ne sait même pas ce que tu allais faire sortir. Donc, tu vas ramener ton hadith là. Je vais lire.
Écoutez bien comment Amon-Ra disait à Toutmosis III, pharaon de la 18e dynastie. Regardez bien la merde que leurs ancêtres ont laissée. Regardez bien la merde qu'ils ont laissée. Et que l'islam est venu dire que non, vous pouvez libérer les esclaves, donner-les des contrats d'affranchissement, marier les esclaves. Et ça là, je n'ai pas encore touché ce livre. Quand je vais toucher ce livre ici là, vous allez lire-le. Voilà les gens, les pauvres gens, ok. Ça, c'était pas autant des Arabes, c'était pas autant des Blancs, c'était autant où les pharaons, ses ancêtres régnaient sur le monde. C'était le temps où les pharaons... Nous avons envoyé quelque chose qui va nous permettre peut-être de, voilà, comment dirais-je, de nous en sortir. Mais vous voulez retourner à quelque chose dont vous n'avez aucune maîtrise. C'est ça qui fait pitié au fait. Écoutez bien. Amon-Ra. Il connaît très bien Amon-Ra. S'il se démute, qu'il nous dise qui est Amon-Ra. Qui n'est pas seulement le dieu national égyptien, mais le dieu de tout l'univers. Sa création. C'est ce qu'affirme la stèle de ses peuples, et même encore ces peuples là non seulement ils sont assujettis, ça suffit pas, mais ils sont sommés de lui apporter des tribus. Et qu'est-ce qui fait partie de ces tribus? Allons-y vérifier. On va vérifier. On pleure pas, hein? On ne pleure pas. Ceux qui vont venir dire vous faites vos ancêtres, vos maudits, il y a pas plus maudit que vous. Tous vos parents sont musulmans. Vendait esclaves, votre argot, tes ancêtres prélevaient. C'est même pas. C'est les femmes là. C'est ça, ils aimaient. Ils mettaient dans leur harem pour orner leur harem. Tout à l'heure là, je vais te montrer encore ce qui se passait encore. J'ai pas encore fini, hein. Ça, je suis à la 18e dynastie. Je vais remonter encore, remonter. Et on va aller se retrouver dans les premières dynasties. Ok? Donc, tu ne vas pas venir nous donner de leçons ici et juger de la moralité de notre prophète. Parce que tes ancêtres n'ont pas fait mieux. Notre prophète est venu trouver la merde que tes ancêtres ont laissée et il a essayé d'atténuer justement cette merde-là. Parce que tout ce que les gens ont fait, ils ont copié sur tes ancêtres. Quand vous parlez du traité de Bact, vous faites la grande gueule, traité de Bact. Ça, ce n'est pas un traité de Bact, ça. C'est pas un traité, ça. Bon, ok, on continue. Je n'ai même pas encore commencé.